Donc cette première vidéo s'adresse à des jeunes concernés par l'autisme qui ont envie de s'insérer, qui ont envie de trouver un travail, qui ont envie d'assumer complètement qui ils sont. On peut être tout à fait fier de son mode de fonctionnement cérébral, de son mode de fonctionnement bien spécifique, de sa pensée atypique. On peut être fier de son parcours scolaire, avoir fait des études supérieures, ou non, mais en tout cas être fier de son chemin, de son parcours, et se dire « ça y est, je suis prêt ». Je suis prêt à démarcher des employeurs, à postuler, à candidater. C'est important de ne pas percevoir le manager ou le supérieur hiérarchique comme un ennemi et de pouvoir faire une alliance avec le manager, avec le supérieur hiérarchique, c'est-à-dire de partir dans un état d'esprit de confiance. Ça va bien se passer, le manager et le supérieur hiérarchique, il est vraiment là, partir du postulat qu'il est bienveillant, il a envie que ça se passe bien, il a envie que la coopération soit quelque chose de positif, quelque chose qui soit vertueux pour lui et pour la personne embauchée. C'est son but en fait, c'est que dans une structure employeuse, quelle qu'elle soit, c'est que ce soit un pari gagnant-gagnant, que chacun s'épanouisse, que le salarié s'épanouisse, que lui en tant que personne un peu capitaine du navire, eh bien, il y ait quelque chose de positif, une alliance, quelque chose qui donne de bons résultats. Donc il faut partir du principe que cette personne est bienveillante, et qu'elle n'est pas là pour nous sabrer, qu'elle n'est pas là pour nous sanctionner, nous contrôler. Ça demande une déconstruction de tout ce qui concerne les figures de l'autorité. Parce que parfois, on peut avoir, parce qu'on a eu un parcours semé d'embûches, une vision de toutes les figures représentant l'autorité, que ce soit des directeurs d'école, que ce soit des professeurs, que ce soit des parents, avec qui on a pu avoir des relations compliquées, des relations qu'on a vécues comme brutales, des relations où on a eu la sensation qu'on nous a imposé des choses de manière injuste et que du coup on sort de ça avec la sensation que toute figure censée représenter l'autorité entre guillemets. Alors attention, pour que ce soit vraiment une relation vertueuse, gagnant-gagnant, c'est important d'essayer de bien analyser que cette posture de méfiance excessive peut engendrer des difficultés. Et donc, le fait que de partir du principe que la personne qui va vous chapeauter, elle est là pour vous accompagner avant tout. Et donc, il y a un lien de confiance, évidemment, à créer. Mais ce lien de confiance, il y a les deux parties qui doivent y contribuer. Bien sûr, le manager doit amener de la bienveillance, doit amener de l'écoute empathique, de la compréhension. Et la personne qui cherche à perdurer dans une structure et à y évoluer et à s'épanouir, elle doit aussi pouvoir montrer qu'elle est dans une relation de confiance. Donc, s'ouvrir sur ses particularités. Et donc, ça, c'est vraiment important que la personne issue de la neurodiversité ait suffisamment bien cerné son profil, c'est-à-dire ben, ses caractéristiques, puisque dans tout profil neuroatypique, on va avoir des caractéristiques. Voilà, dans un diagnostic TSA, il y a de multiples couleurs dans la palette TSA. Et donc, voilà, pour certains, ça va être plutôt une grande créativité, mais peut-être du coup une grande fatigabilité, une dispersion. Ça peut être aussi quelqu'un qui va avoir une psychorigidité, qui a besoin de routines extrêmement fiables, mais qui, une fois que le lien de confiance est établi, va prendre énormément de plaisir à être ponctuel, à réaliser son travail, à bien faire ce qui a été demandé. Voilà, c'est deux exemples un peu rapides. Il faut que chacun qui est concerné par l'autisme soit en capacité de dire, voilà, ça, ce sont les atouts de mon profil avec autisme et ça, ce sont les points de vigilance qui peut demander des aménagements. Par exemple, la fatigabilité, ça peut demander des aménagements horaires, moins d'heures de travail, un volume d'heures adapté à ce qui est possible de fournir pour être en bonne forme et prendre du plaisir au travail. Mais il n'y a pas que la fatigabilité, voilà. Il y a besoin d'aller dans une certaine finesse pour expliquer, le manager, il a besoin de savoir quels sont les contours du profil avec autisme. Parce que tout comportement
après qui va se manifester, il a besoin de l'analyser, de le comprendre. Par exemple, peut-être qu'une personne avec autisme, elle va avoir vraiment besoin d'un support écrit pour tout ce qui est consigne, parce que il y a besoin de savoir, le manager, il a besoin de savoir ce que la personne, si elle est en télétravail, a pu réaliser, qu'est-ce qu'elle a pu faire, et il y a besoin aussi de savoir si elle a eu des difficultés, de pouvoir l'exprimer, s'il y a eu des difficultés, de pouvoir rapidement revenir vers l'employeur pour dire, ben là, je ne maîtrise pas, je n'y arrive pas, c'est trop compliqué pour moi. Et c'est pas grave, il faut vraiment jouer le pari de la transparence. Parce que le manager, encore une fois, n'est pas là pour piéger, il n'est pas là pour guetter la moindre faute. Au contraire, il est là pour voir là où il y a besoin d'aide et lever les freins, redonner des missions plus adaptées s'il y a besoin, réajuster le poste s'il y a besoin. Donc voilà, il y a vraiment ce partenariat main dans la main qui a besoin de se mettre en place. Et pour ça, c'est vraiment chacun qui fait un bout du chemin. Le manager vers la personne avec autisme qui souhaite perdurer dans la structure et la personne concernée qui elle aussi va devoir faire du chemin. Et c'est grâce à cela que ça va être un partenariat gagnant-gagnant. Donc il peut y avoir un job coach qui vous aide, un EduxP peut-être, ou en tout cas quelqu'un, un conseiller socio-professionnel qui a suffisamment de finesse, de précision, d'analyse, qui vous connaît très très bien et qui peut donc être en capacité de garantir que l'emploi va pouvoir se tenir sur la durée, lever les freins éventuels, faire en sorte que vous vous sentiez vraiment bien accueilli, etc.